Je suis toujours très content de venir à Nantes parce que j'y compte des amis et puis parce que c'est aussi une ville qui, sur le plan du sujet que je vais aborder aujourd'hui, j'ai déjà dit une connerie de dire Nantes au lieu de la Chapelle-sur-Erdre, mais bon. Et puisque précisément on n'est pas dans la ville-centre, mais à la Chapelle-sur-Erdre, au début quand il a parlé des chapelains, je me suis dit mais ils sont où les curés ici, dans ce truc laïque? Et ensuite, bon, j'ai fini par comprendre que. Donc, je vais pas avoir à me présenter puisque tu l'as fait, mais c'est vrai que, par contre, je vais faire mon coming out sur les raisons qui m'ont amené à m'intéresser à l'économie sociale et solidaire. En fait, le fondateur d'Alternatives économiques, Denis Clerc, longtemps, j'ai cohabité avec lui de manière très harmonieuse. Lui était PDG, écrivait quand il voulait, toujours très bien. Et moi, je dirigeais la rédaction. On était à 300 km l'un de l'autre. Lui à Dijon, moi à Paris. Tout se passait très bien. Et puis un jour, il en a eu marre d'être PDG et de gérer en fait tous les emmerdements qui consistent à diriger une entreprise. Il a souhaité continuer à écrire, mais prendre un peu de recul. Et comme autant la perspective d'être dirigé par le fondateur du journal, pour moi, ne me posait aucun problème, et puis je m'entendais très bien avec lui, autant l'idée que ce soit quelqu'un d'autre était insupportable. Et quels que soient mes doutes sur mes compétences à devenir PDG, je me suis dit, bon, bah, il faut que tu y ailles, sinon ça va être quelqu'un d'autre. Et bon, comme j'étais plutôt soutenu par le reste des salariés de la coopérative, j'y suis allé. Ça s'est finalement assez bien passé, précisément parce que dans une coopérative, quand vous donnez l'exemple, bah, tout le monde bosse et tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc ça se passe généralement assez bien. Mais Denis, avant de me céder à le pouvoir, m'a dit, il va falloir que tu commences à t'intéresser quand même un peu plus à l'économie sociale et solidaire, parce que je sais qu'au fond, ça ne t'intéresse pas. Toi, ce qui t'intéresse, c'est l'économie, l'emploi, le chômage, l'euro, machin. Bon, mais quand même, il faut que tu t'y intéresses parce que. Tu vas voir, pour avoir de la pub, c'est quand même les grosses boîtes de l'ESS qui sont prêtes à prendre de la pub chez nous et pas les autres. Donc j'ai commencé, je suis rentré au centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale, alors que j'étais déjà assez vieux, mais bon, sur les jeunes dirigeants, ils sont parfois un peu chenus déjà, et puis j'ai commencé à draguer et pour avoir de la pub. Soyez honnête. Et puis, en fait, j'ai rencontré des gens, souvent des gens intéressants. Je me suis pris au jeu, je m'y suis intéressé. Puis ensuite, dans ma pratique de dirigeant de coopérative, j'ai quand même réfléchi à ce que je faisais. D'autant plus que, justement, les questions de gouvernance de nos structures m'ont particulièrement intéressé au vu d'une des raisons qui m'a conduit à me politiser, qui était d'abord la critique du totalitarisme, notamment du totalitarisme soviétique, et donc des réflexions sur l'articulation qu'il y a entre. Une économie différente, mais aussi l'approfondissement de la démocratie comme condition de parvenir à construire une économie, une société qui serait différente. Donc voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un panorama général de l'ESS qui va répondre précisément à l'interpellation de Philippe. Et puis ensuite, on aura tout le temps de débattre après que vous soyez tous abonnés, que vous ayez tous acheté mon bouquin pendant la pause. Bon, alors, il n'y en aura pas pour tout le monde. Créer un peu de climat de rareté. Alors, de quoi parlons-nous? Alors, la première chose que vous devez noter, c'est que ce mot économie sociale et solidaire est un mot qui n'existe qu'en France dans cette forme. Économie sociale et solidaire, comme ça, bien attaché, ça n'existe qu'en France. Et c'est en fait le résultat d'une construction qui est une construction relativement politique. La notion d'économie sociale est réapparue en fait dans les années 70, dans un contexte où les plus vieux d'entre vous s'en souviennent, et il y en a quand même quelques-uns dans la salle. La gauche était dans l'opposition, il y avait un programme commun de gouvernement, bon, ensuite des 101 propositions du candidat François Mitterrand, et qui était quand même d'une inspiration relativement
top-down, enfin je veux dire, inspiré quand même d'une vision très étatiste du changement social avec les nationalisations, l'idée qu'on allait orienter le crédit bancaire pour développer l'économie dans tel ou tel sens, une politique industrielle très active. Bon, il y avait toute cette vision qui était une vision qui partait quand même beaucoup d'en haut et d'un pilotage très étatique de la chose économique. Bon, il y avait le côté changer la vie pour obtenir que les bobos votent quand même pour eux, mais. C'est-à-dire la philosophie économique et sociale était une philosophie très descendante. Et à côté de ça, il y avait toute une partie de la gauche qu'on appelait plutôt la deuxième gauche, qui pensait que le changement venait aussi de la mobilisation de la société dans ses différentes formes, et qui a vu finalement dans ce qu'était historiquement l'économie sociale, c'est-à-dire les associations, les coopératives, les mutuelles, auxquelles se sont adjointes ensuite les fondations, des formes d'organisation économique. Qui était une sorte d'illustration de cette vision du changement économique qu'ils pouvaient appeler de leur vœu. Donc, ils ont valorisé cette notion d'économie sociale, non pas qu'il n'y avait pas des associations, des mutuelles ou des coopératives avant, mais que bien souvent, dans les décennies qui avaient précédé, cette notion d'économie sociale, apparue à la fin du 19e siècle et au début du 20e, était un peu tombée dans l'oubli. Et donc, ils ont redonné du sens à cette notion et à ce rassemblement de structures qui ont en commun d'être à but non lucratif, d'avoir une gouvernance qui se veut démocratique sur la base des décisions qui sont prises sur une base d'une personne, une voix, et non pas en fonction des capitaux qu'aurait amené chacun, et puis qui, précisément, parce qu'elles sont à but non lucratif, ont un objet social qui est autre que de maximiser les profits pour les actionnaires, mais de poursuivre un but que leurs membres, leurs associés ont défini, et qui est un but d'utilité pour ces membres ou qu'ils reconnaissent comme tel. Donc, ça, c'est l'économie sociale. Alors, l'économie solidaire, elle apparaît comme concept plus dans les années qui suivent, dans la décennie qui suit, et on pourrait dire plutôt comme résultat finalement de l'échec des difficultés que rencontre la gauche une fois qu'elle exerce le pouvoir dans les années 80. Et du coup, il y a à la fois des gens, souvent des travailleurs sociaux, qui prennent l'initiative d'essayer d'agir pour compenser une partie des insuffisances de la gauche, notamment face au chômage de masse et à ses conséquences, qui est l'aggravation du chômage de longue durée, l'exclusion de toute une série de personnes qui n'arrivent pas à revenir dans l'emploi dans un contexte de montée persistante du chômage. Et donc, ces gens qui se disent, face à ces exclus, on ne peut pas se résigner au fait qu'ils restent toujours éloignés du marché du travail. On est dans une situation où les boîtes privées ne veulent pas les embaucher parce qu'ils n'ont pas les qualifications, etc. Le public dit, ça serait bien que les boîtes privées les embauchent, mais le public n'en veut pas non plus parce que pour être dans le public, il faut avoir passé un concours, il faut être bien blanc, il faut être bien diplômé, il faut être bien ceci, bien cela. Et donc, ces gens-là n'intéressent pas le public. Et donc, ben, ces travailleurs sociaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé les premières structures d'insertion par l'activité économique. Et donc, ils ont commencé à réparer une partie des dégâts sociaux de la crise. Et puis, il y a aussi des gens qui se sont dit, bon, peut-être qu'au fond, le changement du haut là, par la gauche, c'est nationalisation, le crédit, bon, finalement, au final, ça ne change à peu près rien. On est face à des défis qu'il faudrait peut-être relever maintenant, à la fois sur la façon dont on produit, mais aussi dans l'objet même de ce qu'on produit. Et donc, il y a des gens qui ont commencé à investir dans l'agriculture biologique, dans les énergies renouvelables, dans d'autres façons d'envisager nos relations avec le Sud à travers le développement d'initiatives de commerce équitable. Et c'est tout cet ensemble qui s'est reconnu dans cette notion d'économie solidaire. Alors, ensuite, de l'eau a passé sous les ponts. C'est vrai qu'une partie de ces activités ont été financées par des circuits d'épargne particuliers qui, bien souvent, ont été portés par des banques de l'économie sociale classique. Tout le développement des fonds d'épargne solidaire qui permettaient de financer ces activités solidaires. On a eu un certain nombre d'interpénétrations entre les deux secteurs. Et d'autant plus qu'en pratique, l'immense majorité des structures qui se définissent comme appartenant à l'économie solidaire ont des statuts qui les qualifient pour appartenir à l'économie sociale, en sens que c'est généralement des associations et pour certaines des coopératives, si bien que progressivement, au-delà de la diversité du champ,
s'est pris l'habitude en France de parler d'économie sociale et solidaire, même si vous avez toujours des gens dans l'économie sociale, canal historique, qui disent nous n'avons rien à voir avec ces gens-là, et dans l'économie solidaire pure et dure, des gens qui vouent aux gémonies les vieux crocodiles de l'économie sociale. Mais bon, le mot s'est imposé. On a même eu la reconnaissance de l'État à travers la loi du 31 juillet 2014 qu'a portée Benoît Hamon avant de quitter le gouvernement, qui a été voté, Carole Delga lui ayant succédé au secrétariat d'État à l'artisanat, au commerce, au tourisme, à l'économie sociale et solidaire, et que sais-je encore. Et donc voilà, on est dans un moment où c'est reconnu, vous faites le tour des régions françaises, vous avez partout des adjoints ou des délégués ou des vice-présidents chargés du développement de l'économie sociale et solidaire, des structures d'appui. Vous avez ça sur notre métropole, mais même dans le Conseil général des Hauts-de-Seine, connu pour son engagement progressiste, vous avez un vice-président chargé de l'économie solidaire et sociale et solidaire, en la personne de Jean Sarkozy, dont le père est souvent plus connu, mais dont le fils a été quand même assez connu au moment où il était candidat à la présidence de l'EPAD, l'établissement public d'aménagement de la Défense. Bon, donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est maintenant reconnu dans le champ, puisque à tous les bords de l'échiquier politique, on trouve des gens pour promouvoir cette économie sociale et solidaire. Alors, si on commence à regarder un peu ce qu'il y a sous le capot, on va dire. On a en fait deux logiques, au-delà des différences entre social et solidaire, aussi bien dans le social que dans le solidaire, on a deux logiques qui sont quand même assez différentes. Et qui d'ailleurs, dans la structuration de ce genre de choses à l'étranger, les choses ne sont pas forcément structurées comme c'est le cas en France. On a d'une part une logique qui est une logique qu'on pourrait caractériser, au regard de l'histoire sociale, comme une logique associationniste. Alors, associationniste, ça ne veut pas dire comme dans une association. Ça veut dire des gens qui s'associent pour porter ensemble un problème qui est posé à chacun, mais où ensemble, on va pouvoir arriver à le résoudre alors que tout seul, on n'y parvient pas. Comme on dit dans l'ESS, tout seul, on va vite, ensemble, on va loin. Bon, voilà. Donc, l'idée, c'est par exemple, vous êtes instituteur. Vous êtes dans les années 30, vous commencez à pouvoir accéder à la mobilité. Les compagnies d'assurance privée vous demandent des primes très importantes. Oh, merde, nous, les instituteurs, on picole pas trop, on est plutôt prudent, on est sérieux, on a moins d'accidents que les autres, pourquoi on paierait aussi cher? Et on crée la Maif. Et en plus, on crée la Maif, pourquoi? Parce que à cette époque-là, les compagnies d'assurance privée financent les ligues d'extrême droite et les instituteurs des Deux-Sèvres, qui sont aussi dans une tradition assez laïque dans les Deux-Sèvres, c'est pas Cholet et Maine-et-Loire du Haut, là. Bon, ça leur plaît pas trop de financer les ligues d'extrême droite. Bon. Et donc, ils créent la Maif. Quand un siècle auparavant, vous avez des ouvriers qui commencent à être organisés dans l'industrie et qui, dans un contexte où les relations sociales, les garanties sociales sont très dures et les garanties sociales inexistantes, bon, quelqu'un a un accident, un problème, une maladie, il se retrouve aussitôt jeté hors de l'entreprise sans ressources, bon, il crée les premières sociétés de secours mutuel. Mettre un peu d'argent de côté, chacun, et puis si quelqu'un a un problème, bon, bah, on peut lui donner un pécule qui fait qu'il peut traverser, en tout cas, une période difficile. Et donc là, c'est pareil. Il s'agit de s'assurer collectivement contre le risque, mais en se mettant ensemble. Bon, fin du 19e, les paysans, les artisans, les banques ne veulent pas les voir, ils ne connaissent pas. Ils prêtent uniquement aux gros, aux notaires, aux entreprises. Bon. Et donc, ils se réunissent, et puis ils mettent chacun leurs économies ensemble, et puis celui du groupe qui a le meilleur projet. Ben on lui prête des sous, et puis une fois qu'il a récupéré, on passe au projet suivant. Et il crée la première caisse locale de crédit agricole en Franche-Comté. Donc, cette logique associationniste, c'est des gens qui ont chacun un problème, qui se mettent ensemble, et qui, ensemble, arrivent à le résoudre. Et c'est pour ça que, on a une économie sociale puissante dans la finance, historiquement, parce que la finance, c'est vraiment le domaine où le pouvoir du nombre peut contrebalancer la puissance du capital.
parce qu'on est très nombreux, on met chacun un peu d'argent de côté, et quand on a fait l'addition, finalement, ça fait beaucoup de pognon, et ensuite, évidemment, on ne peut pas prêter beaucoup de pognon à tout le monde, mais on prête à ceux qui ont les meilleurs projets. Donc les 20% d'agriculteurs les plus riches, et puis finalement les 80% des autres finissent par disparaître. Enfin, ceci est une autre histoire que nous vivrons plus tard. Alors, ça, c'est la logique associationniste. Et c'est une logique très forte parce que c'est celle qui a, dans toute l'économie sociale, je dirais, deux marchés. C'est celle qu'on a chez nous, dans une scope. Et elle a un petit côté anarcho-syndicaliste. C'est-à-dire, tous les gens qui sont dans ces trucs-là, je pense l'ancien président, par exemple, de la Massif, Gérard Andrec, que j'ai eu la chance de bien connaître, mais Gérard, ça le mettait dans une rage folle. Quand il entendait dire, ah oui, l'économie sociale et solidaire, c'est le truc subventionné, c'est aidé par l'État, tout ça, vous n'êtes pas vraiment dans la vraie économie. Il dit, attendez, nous, on est plus efficace qu'à que ça, on dégage du résultat comme eux, on offre des meilleures garanties à nos sociétaires, on est plutôt moins cher, on est vraiment une belle boîte, ça tourne, ça marche bien, en plus, nos salariés ont plutôt des bonnes conditions de travail. Bon, mais qu'on ne dise pas qu'on est subventionné, on n'a aucun avantage et on a plutôt des obstacles en termes statutaires, sur le plan fiscal, des choses comme ça. Donc, il y a un côté un peu, justement, très, très jaloux de son indépendance et très fier d'y être arrivé sans avoir été aidé pour ça. Nous, c'est pareil, on tient beaucoup, on tient comme à la prunelle de nos yeux à notre indépendance. On en subit justement aussi les conséquences dans un moment de crise de la presse comme aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est quelque chose. Les gens disent alternatives économiques, vous êtes un journal. Ben non, on n'a aucune subvention d'aucune sorte et on est. Ou celles qu'on a, c'est exactement, elles sont généralement beaucoup moins importantes que celles du journal Le Monde que possèdent Niel, Pigasse et Berger, beaucoup moins importantes que celles dont dispose le groupe Lagardère, etc., etc. Je veux dire, vous voyez, donc de ce point de vue-là, on est plutôt sur une position dominée par les grands acteurs capitalistes de la presse, et en même temps, on est très jaloux de notre indépendance. Donc il y a cette culture-là. Et puis il y a une autre culture qui s'inscrit dans une tradition historique qui est plus, on va dire, caritative. Ce qui n'est absolument pas un mot péjoratif dans ma bouche, hein, mais qui est plutôt des gens qui ne cherchent pas à régler leurs propres problèmes en se réunissant de manière collective, mais plutôt à aller vers les autres, à régler le problème des autres. Alors on peut aussi considérer que régler les problèmes des autres, quand on fait société, c'est aussi résoudre aussi son propre problème, parce qu'on se sent mieux si on est dans une société plus homogène, avec moins de problèmes sociaux. Et dans la galaxie des activités. Parce que le paradoxe, c'est que ce caritatif s'inscrit plutôt dans les associations. L'associativisme, on le trouve plutôt dans les coopératives et les mutuelles, et c'est plutôt les associations qui portent le caritatif. Mais alors, dans les associations, on a des modèles très différents. Si on est lucide, on voit bien qu'il y a toute une partie du secteur associatif, qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu Michel Foucault pour le savoir, qui s'inscrit aussi dans une histoire du contrôle social sur les plus pauvres. Et puis, à côté de ça, on a aussi des tas d'associations qui font un boulot formidable alors dans des domaines très vastes, qui vont de l'action sociale, de l'éducation, dans la formation, dans le tourisme, dans les loisirs, dans la culture, bon, dans des tas d'activités où le marché ne remplit pas bien son rôle, assure pas une qualité de service réelle, et où l'État, bien souvent, a laissé finalement la société civile se développer, créer des activités. Bon, l'association qui me fait venir ce soir, c'est typiquement un exemple d'association qui, dans une logique locale, essaye de faire du débat public avec un certain nombre d'idéaux à défendre qui ont été bien présentés par la personne qui a introduit le débat ce soir. Alors, donc, on a deux logiques assez différentes, et derrière ces deux logiques assez différentes, c'est ce qui explique d'ailleurs que cette notion d'économie sociale et solidaire n'existe qu'en France. Parce que, en fait, toutes les réalités auxquelles renvoie l'économie sociale et solidaire existent dans tous les pays du monde. Vous avez l'équivalent des associations ou des coopératives ou des mutuelles partout. Les chiffrages qui ont été faits aux États-Unis par Lester Solomon de la Johns Hopkins University aboutissent à ce que les Américains appellent le non-profit sector, c'est-à-dire l'ensemble des structures à but non lucratif, ça représente en gros 9% de l'emploi aux États-Unis. En France, c'est combien? À peu près 10% de l'emploi.
Bon, l'économie sociale et solidaire. Donc vous voyez, on est sur un horizon qui est extrêmement voisin. Et quand vous regardez en quoi consiste le non-profit sector, ben, ça va être quoi? Ça va être des hôpitaux à but non lucratif, ça va être des universités, des trucs d'action sociale, des trucs de charité, aussi des coopératives, aussi dans la distribution, dans différentes activités, dans le domaine agricole. Donc finalement, un panorama d'activités qui n'est pas exactement le même qu'en France, mais assez voisin. Si vous prenez aux Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne, l'histoire fait que le mouvement coopératif, plutôt plus lié à la gauche ou à des églises marginales comme les méthodistes, tout ça, et ce qu'ils appellent les charities, là, est plus institutionnel, un peu plus caritatif de l'église anglicane, etc. Bon, c'est plus compliqué que ça en pratique. Évidemment, les sociétés bougent, les choses évoluent, mais disons que les Britanniques distinguent plutôt ce qui relève du charity et puis ce qui relève plutôt de la coopération, et ce n'est pas les mêmes histoires et pas la même culture. Bon, il se trouve qu'en France, on a réuni dans le même concept l'ensemble, et puis voilà, et c'est comme ça, sachant que certains se reconnaissent très fortement dans cette notion, et d'autres appartiennent à l'ESS statistiquement, mais ne savent même pas qu'ils en font partie. Alors, derrière ça, vous voyez bien au tableau que j'ai brossé que vous avez évidemment des modèles économiques qui vont être extrêmement divers. Parce que entre mon Gérard Andrec, qui se met en colère si on lui dit qu'il est subventionné, et des structures qui, dans le monde associatif, dépendent à 100% d'argent public, si vous êtes par exemple une association qui travaille avec des éducateurs et des assistants sociaux dans l'aide sociale à l'enfance, bon, ben, si vous travaillez entièrement en convention collective 66 avec des fonds qui viennent du département, et voilà, c'est comme ça que ça tourne. Et entre ça et la scope alternative économique, vous avez tout un continuum de situations très différentes. Parce que vous avez des associations, par exemple, de tourisme social qui opèrent pour l'essentiel dans le secteur marchand, même si elles peuvent obtenir une petite subvention d'une commune pour aider à la rénovation de leur parc immobilier ou avoir quelques banques, quelques petites aides, des fonds dont dispose l'Agence nationale du chèque vacances. Bon, si vous prenez des associations culturelles, bien souvent, elles vont gérer une maison des arts, des choses comme ça. Et donc, il y aura des subventions qui sont relativement importantes de la commune ou de la région ou du ministère de la Culture. Et en même temps, elles vont avoir des recettes de billetterie. Bon, vous voyez, on a tout un ensemble de situations très différentes du tout public au tout privé. Et tout ça fait bon ménage dans l'économie sociale et solidaire, sachant que pas mal de structures associatives disposent quand même d'un minimum de subventions ou de moyens qu'elles obtiennent en répondant à des appels d'offres publics en due proportion des missions d'utilité sociale qu'elles remplissent et qui sont reconnues par la collectivité. Alors, sur ces bases, l'économie sociale et solidaire a de grandes vertus. Et comme après je vais être un peu critique, je vous demande quand même de bien écouter quand je vais parler des grandes vertus. Donc la première chose, c'est qu'elle nous révèle déjà que la société, c'est pas comme le rêveraient les économistes libéraux orthodoxes, une collection d'individus qui, laissés à eux-mêmes, soit se feraient la guerre, soit noueraient des contrats avantageux pour chacun, et finalement, grâce à cette merveilleuse loi du marché, avantageux pour tous, et ceci sous l'autorité d'un Léviathan bienveillant qui ferait régner l'ordre. Ben non, c'est plus compliqué que ça. Dans les relations que les hommes et les femmes nouent entre eux, il y a aussi des relations d'échange, de don contre don, d'envie de faire des choses ensemble, d'envie de construire des choses, d'envie de résoudre les problèmes sociaux, indépendamment de l'État, et avec une vision de l'intérêt personnel qui est très au-delà de cette anthropologie sommaire que décrit le néolibéralisme. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. L'ESS prouve en acte que le discours libéral de description de la société n'est pas un discours pertinent. La seconde chose, c'est que le fait qu'il y ait, même si l'ESS avait tous les défauts du monde, le simple fait qu'on ait autre chose que l'entreprise capitaliste comme possibilité d'entreprendre, introduit l'idée qu'il n'y a pas une seule façon d'entreprendre. Et tout ce qui est introduit du pluralisme, c'est bon pour la démocratie. Donc, de ce point de vue-là, il faut saluer l'existence de l'ESS parce que ça force à réfléchir
sur le fait que le capitalisme n'est pas there is no alternative, the one best way, la seule façon de faire. Non, on peut peut-être faire autrement. Donc ça, c'est très bien. Et puis ensuite, comme il y a quand même pas mal d'entreprises qui marchent, et qui marchent bien dans l'ESS, hein, aussi bien dans la presse que dans le conseil ou comité d'entreprise, bon, pour ne pas en citer, bon, c'est des entreprises qui, de fait, prouvent qu'on peut produire des biens et services de manière efficace sans avoir simplement pour but de faire du profit. Et donc l'enrichissement personnel n'est pas le seul motif qui peut pousser les gens à entreprendre et à entreprendre efficacement. Et là, j'insiste sur ça parce que c'est pas illégitime d'avoir envie de réussir des choses dans sa vie, dans son travail, soit parce qu'on fait bien son boulot, soit parce qu'on dirige une structure. Bon, il y a des tas de façons de réussir sa vie au travail, de bien faire son boulot. Et entreprendre est une des façons de le faire. Mais on peut entreprendre avec d'autres objectifs que devenir le plus riche du village. Et d'ailleurs, ce n'est pas un monopole de l'économie sociale et solidaire. Énormément de patrons de PME, ce qu'ils veulent d'abord, c'est être autonomes, pas avoir un patron sur le dos, pas s'emmerder avec un patron. Donc ils veulent devenir patrons. Comme ça, c'est eux qui emmerdent les autres, et pas, ou les salariés qui les emmerdent, d'ailleurs, parce que c'est parfois le cas aussi. Mais en même temps, ils avaient envie de cette autonomie. Mais bien souvent, ils ont un projet, ils ont un métier. C'est ce métier qu'ils ont envie d'exercer. Ils ne sont pas dans l'abstraction de l'accumulation du capital pour le capital, comme un fonds d'investissement, un fonds de placement, comme le grand capitalisme. Le type, il crée un restaurant, ce qu'il aime, c'est faire la cuisine. Le type, il est plombier, il est artisan, ce qu'il aime, c'est la menuiserie. Vous voyez, donc de ce point de vue-là, ce n'est pas parce qu'on est sous forme société de capitaux qu'on est méchant et qu'on rêve uniquement de devenir le plus riche du village. On a envie de gagner honnêtement sa vie, mais on a surtout envie d'être autonome. Mais ce que je dis simplement, c'est que l'ESS, elle prouve que de fait, il y a des gens qui peuvent entreprendre et avec d'autres buts qu'effectivement que s'enrichir, et c'est une bonne nouvelle. Et puis enfin, il y a cette promesse démocratique de cette gestion une personne, une voix, et qui induit l'idée que la démocratie ne s'arrête pas forcément aux portes des lieux où on produit des biens et services. Or, ce qui caractérise le capitalisme, c'est que l'entreprise, le milieu de l'entreprise, est un milieu qui, à bien des égards, reste un milieu très totalitaire, où la parole n'est pas libre, où le dialogue social est quelque chose qu'il faut toujours obtenir et défendre, et on voit bien qu'il y a toujours une pression pour le restreindre et le diminuer. Vous aurez peut-être l'occasion d'en parler dans les prochains mois avec Jean-Paul. Mais donc, on a des enjeux importants, et dans l'ESS, il y a la promesse que ça puisse être différent. Je n'en dis pas plus pour le moment. Alors, maintenant, allons encore un peu plus loin sous le capot. D'abord, la première chose, c'est que ça pèse quand même d'un poids assez important, puisqu'on a dit 10% de l'emploi, à peu près 2 300 000 personnes travaillent dans l'ESS, et puis l'ESS, ça mobilise, en France, vous avez 16 millions de bénévoles, c'est quand même fantastique, qui produisent l'équivalent d'1 million d'équivalents temps plein de travail. 4% de la main-d'œuvre, c'est des gens qui produisent des richesses en France, c'est des richesses de services qui sont produits par des bénévoles. Donc, ça veut dire qu'il y a des entreprises, des associations qui ont un projet suffisamment beau, suffisamment attrayant, qui a suffisamment de sens pour que vous ayez 4% de la main-d'œuvre française qui est prête à travailler pour rien, que le sens qu'ils donnent à l'engagement qui est le leur. Ça, c'est formidable. Donc j'arrive quand même à trouver d'autres trucs positifs quand même en y réfléchissant. Et puis vous avez aussi maintenant, ensuite vous avez 30 millions de mutualistes, etc. Quand la FNMF, la Fédération de la Mutualité Française, dit on a 30 millions de mutualistes. Bon, alors là ça commence à se perdre un peu dans l'eau parce que les gens, ils ont une mutuelle et ils n'ont pas forcément l'impression qu'ils sont des militants de l'économie sociale et solidaire. Bon. Et si le président de la FNMF en avait fait descendre seulement 10% dans la rue quand Nicolas Sarkozy a créé les franchises médicales, on n'aurait pas eu de franchise médicale. Seulement, voilà, sa capacité de mobilisation, elle tend vers epsilon. Bon. Bon. Mais enfin, disons que ça fait quand même du monde et ils sont nombreux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, quand on regarde ce qu'ils font, on s'aperçoit que 80% des gens qui travaillent dans l'ESS, au fond, travaillent dans des activités qui représente au total 20% de l'emploi. Donc ça veut dire que l'emploi ESS est très concentré sur certaines activités particulières,
et, par voie de conséquence, très absent d'autres structures de l'emploi. En gros, en résumé, vous l'avez déjà entendu dans mon propos du début, c'est-à-dire, en gros, on est très puissant dans tout le secteur éducation, formation, action sociale au premier chef, médico-social, culture, loisirs, et puis dans le secteur financier. Mais alors, dans l'industrie, quasiment rien, dans le bâtiment, quasiment rien, et dans toute une partie des services marchands, très très peu. Les seuls qui sont présents un peu partout, c'est les SCOP. Seulement, le problème, c'est que les SCOP, on est quand même au total 43 000 salariés, dont 21 000 associés, donc vraiment coopérateurs, sur les 2 300 000. Donc les SCOP, c'est 1% de l'emploi total. Les associés des SCOP, c'est 1% de l'emploi total de l'ESS. Peanuts, et, vous voyez, c'est pas grand-chose. Alors on a une visibilité médiatique, parce qu'on est sympa, on fait l'autogestion, etc., qui est colossale rapportée à ce qu'on représente vraiment. Et si ensuite ça vous intéresse à l'heure du débat, je suis prêt à vous répondre à toutes les questions sur pourquoi il n'y a pas plus de SCOP. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que prévoit notamment la loi Hamon, qui peuvent permettre, non pas de les doubler en 5 ans, comme avait dit Hamon, parce que enfin, là, il avait fumé la moquette, mais en tout cas de les faire croître sans doute plus vite qu'elles ne le font aujourd'hui, puisque les SCOP sont en plein développement rapide depuis 30 ans, et nous sommes effectivement passés de 35 000 à 43 000, un développement absolument spectaculaire. Alors, quand vous regardez les effectifs, il y a aussi quelque chose qui frappe, c'est qu'il y a quand même des choses assez curieuses. On est très puissant dans l'éducation, et pourquoi on est très puissant dans l'éducation? Alors, quelque chose qui parle évidemment aux gens de l'Ouest, même laïcs, c'est qu'on est très puissant dans l'éducation parce que tout l'enseignement privé catholique sous contrat, c'est des associations loi 1901. Donc il y a 200 000 salariés sur le 2,3 millions de l'ESS qui sont les employés, les salariés de l'enseignement privé catholique sous contrat. Alors, quand je suis avec mes copains de la Ligue de l'enseignement, toujours ils n'aiment pas trop qu'on leur rappelle ça, comme ils sont très ESS à la Ligue, etc. Et ouais, mais attends, vous avez vu ce que vous organisez dans votre ESS, c'est vos copains de l'enseignement privé. Oui, tu m'emmerdes, Philippe. Bon, voilà, bon. Ils aiment bien, on passe à autre chose après. Donc, mais les gros bataillons, en gros, vous avez 80% de l'emploi de l'ESS, c'est les assos, et au sein des associations, vous avez en gros 75% de l'emploi des associations, c'est l'action sociale, et c'est les grosses associations d'action sociale. Alors, dans tous les champs, ça va de l'aide à domicile, à l'aide sociale à l'enfance, aux associations de gestion d'établissements pour enfants ou adultes handicapés, des EHPAD associatifs, l'hospitalisation privée à but non lucratif, bon, tout dans le social et le médico-social, où les structures sont très variées, et avec des conditions d'emploi évidemment très différentes, selon qu'on est évidemment dans l'aide à domicile ou dans des secteurs sociaux où les règles sont bien meilleures. Alors, du coup, est-ce que ça apparaît comme une autre économie? Alors, c'est évidemment pas une autre économie au sens d'une autre économie qui, au sein de notre société, produirait tous les biens et services et permettrait de vivre de manière alternative en consommant les produits de l'ESS. Vous savez, il y a des gens qui essayent de vivre une journée entière en consommant aucun produit chinois, et paraît que c'est assez difficile. Bon, si vous essayez de vivre une seule journée entière en ne mangeant que, en n'utilisant que des produits issus de l'ESS, ça risque d'être pas très facile non plus. Bon, il y a 3 boulangeries ESS en France, mais toutes les autres ne le sont pas. Donc, quand on veut avoir du pain le matin ou des croissants frais, il faut quand même mieux compter sur l'égoïsme du boulanger qui s'est levé, pour paraphraser Adam Smith. Bon, voilà. Donc, et je ne veux pas continuer la journée, mais l'ESS se vante toujours de l'utilité sociale particulière des biens qu'elle produit, et elle a raison, parce qu'elle a une très grande qualité, c'est que dans l'ensemble, elle produit des biens qui ont autant de valeur, ce n'est pas des biens rivaux, comme disent les économistes, ils ont autant de valeur quand tout le monde en bénéficie. Et même pour certains d'entre eux, l'éducation, la santé, c'est des biens qui ont d'autant plus de valeur pour chacun que tout le monde en bénéficie. Parce qu'une société où tout le monde est éduqué, tout le monde est formé, est une société qui est meilleure pour tous.
C'est pas parce qu'on est mieux formé que l'autre qu'on en profite. Au contraire, si tout le monde est bien formé, la société sera globalement plus efficace, plus cohérente, et on en tirera tous bénéfice. Donc l'ESS, de ce point de vue-là, est vertueuse. Elle ne produit pas des montres à 100 000 euros qui ont pour but uniquement, non pas d'arriver à l'heure à son boulot, parce qu'il y a des montres à 50 euros qui vous fournissent la même prestation de manière très efficace, mais simplement de pouvoir dire à Carla, t'as vu ma montre, etc. Bon, vous voyez. Donc, non, l'ESS, elle n'est pas dans les biens weberiens, comme on dit, les biens qui ont uniquement des consommations ostentatoires et qui sont uniquement le reflet de la distribution extrêmement inégalitaire des revenus. Elle est plutôt sur des biens qui pourraient fonctionner dans une société beaucoup plus égalitaire. Donc finalement, je trouve encore d'autres qualités en y réfléchissant bien. Bon. Donc de ce point de vue-là, l'ESS est plutôt vertueuse. Mais globalement, c'est vrai qu'on ne produit pas de tout. Et si vous appréciez d'avoir un chauffage central en hiver, c'est vrai que c'est bien d'avoir des radiateurs. Et la production de radiateurs par l'ESS est quand même assez réduite. Les mines antipersonnelles aussi, on n'est pas bon, mais ça, on va le supporter avec plus de facilité. Alors, du coup, c'est vrai qu'elle est plutôt positionnée sur des activités que soit le secteur marchand remplit mal ou remplit peu, où il s'occupe uniquement de la partie la plus rentable du marché, et soit des secteurs où l'État, finalement, n'a pas vraiment fait le rôle qui est le sien, ou il préfère sous-traiter finalement à des associations. Et donc on occupe ce terrain, c'est là que sont la grande majorité des emplois. Les scopes, de ce point de vue-là, qui peuvent être présents dans tous les secteurs, ont plutôt une situation marginale. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu appeler souvent l'ESS, historiquement, on l'a qualifié de tiers secteur. C'est ce que disait Delors ou plus récemment un économiste comme Alain Lipiès. Alors, quand même, ça peut être quand même une autre façon de faire de l'économie, et c'est là que finalement le point d'interrogation qu'il y a sur la couverture de mon livre pourrait un peu disparaître. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens dans l'ESS qui se disent d'abord. On essaye de produire autrement. Bon, c'est ce que j'ai dit au début en parlant d'agriculture biologique, de commerce équitable, des structures comme les sociétés coopératives d'intérêt collectif qui réunissent dans la structure toutes les différentes parties prenantes intéressées à une activité et qui gèrent de manière démocratique les conflits qui peuvent naître entre ou les différences d'intérêts qui peuvent naître entre différents acteurs dans une filière économique. Bon, c'est très intéressant, les cycles, de ce point de vue-là, parce qu'il y a une forme de dépassement démocratique du marché. Et puis, vous avez des réflexions sur des façons de produire autrement, de manière plus efficace sur le plan des territoires, avec promotion des circuits courts, ce qu'on appelle maintenant les pôles territoriaux de coopération économique. Bon, qui réinventent un peu des choses dont on parlait déjà depuis longtemps, mais qui sont des choses intéressantes, qui sont une réflexion sur d'autres liens économiques entre acteurs. Et puis, on a aussi des gens qui proposent aussi des modèles économiques qui sont plus inclusifs, plus participatifs, avec une vraie priorité à l'emploi, justement, tout ce qui se passe dans l'insertion de l'activité économique. Et donc là, on a quand même une ébauche d'une autre économie, qui fait qu'on ne peut pas réduire l'ESS uniquement à la somme des différentes activités. Il y a aussi des volontés un peu de faire système. De ce point de vue-là, il y a des choses qui se jouent. Alors, je suis quand même assez modéré et critique par rapport à ceux qui survendent cette dimension-là, parce que c'est une dimension qui est, du point de vue de l'emploi, du point de vue du poids économique que ça représente, qui est assez marginale par rapport au gros bataillon de l'ESS. Et comme je dis toujours l'ex-président du labo de l'ESS, Claude Alfandéry, un vieux militant de l'ESS depuis des décennies, qui se bat pour. Tu peux pas dans la même phrase dire l'ESS, on est puissant, on fait 10% de l'emploi, et en même temps décrire les formes innovantes qui ont ta sympathie. Parce que ces formes innovantes, c'est peut-être 1% de l'ESS. Donc c'est plutôt 0,1% de l'emploi que 10% de l'emploi. Donc, pour avoir les 10% de l'emploi, il faut que tu comptes l'enseignement privé sous contrat, le Crédit Agricole, les centres Leclerc, bon, plein de trucs qui sont quand même pas au top niveau de la remise en cause du système dominant. Alors, justement, si me permet de faire un habile lien avec la suite de ma conférence, sur finalement ce qui a été la destinée historique des entreprises de l'ESS. Et ces entreprises
de l'ESS, en fait, on peut voir leur destinée historique sous quatre concepts. Un concept qui est d'abord la récupération, ensuite la banalisation, l'instrumentalisation et l'innovation. On va terminer par on va commencer par le plus et terminer par les mieux, et puis on va prendre en sandwich au milieu ceux qui sont moins bien. Alors, la récupération, en fait, c'est quand les initiatives qu'on a prises sont finalement soit récupérées par la collectivité, par l'État, soit récupérées par le privé. Mais que d'un certain point de vue, ça veut dire qu'on a gagné. Si on a une protection sociale aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a eu les sociétés de secours mutuels au début du 19e siècle. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le jour où... Vous savez, quand la protection sociale a été mise en place en 1945, ça n'a pas plu aux mutuelles, parce que ça allait leur piquer leur business, finalement. Et bon, elles ont fermé leur gueule, parce qu'entre 1941, 1942, 1943, elles étaient un peu copines avec... elles n'avaient pas trop le rapport de force pour discuter. Donc on a nettoyé tout ça, on en a mis d'autres à la place des anciens. Mais enfin, en gros, la Sécu s'est instaurée. Mais finalement, on avait gagné. On avait gagné. Bon. Quand aujourd'hui vous avez Nestlé ou Danone qui se mettent à faire des produits bio, bon évidemment on se dit oh, quand même Nestlé, Danone, bon. Mais enfin non, ça veut dire qu'ils se sentent obligés de faire quelque chose que les copains qui font du bio, bon, c'est vrai que vous faites une petite association de réparation et de mise à disposition de vélos, sympathique, etc. Et puis tout d'un coup, l'économie de fonctionnalité pénètre dans la tête de Monsieur Delanoë. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, ben, il téléphone à Bolloré et lui dit, tu m'installes des Vélib partout dans Paris. Après que Gérard Collomb ait fait la même chose à Lyon. Alors, si Gérard Collomb l'a fait, c'est donc un truc de gauche. Et donc, il le dit spontanément à Delanoë qui fait pareil. Donc voilà. Mais en même temps, c'est bien qu'il y ait des Vélib. Je veux dire, c'est bien que ça montre aussi qu'on peut partager des choses, etc. Même si M. Bolloré fait un peu de sous au passage. Bon. Donc ça, c'est la récupération. Alors, ensuite, il y a la banalisation. La banalisation, là, c'est moins drôle. Banalisation, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de faire remarquer toujours à mes copains de l'ESS que les deux banques françaises... Non. Soyons honnêtes. Il y a trois banques françaises qui ont fait beaucoup de bêtises dans la crise des subprimes. Il y en a une, c'est une ancienne banque publique liée à la Caisse des dépôts, Dexia. Donc voilà, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Donc là, c'est l'État et ses dérivés qui a montré toute son incapacité à gérer une banque d'une manière un peu contrôlée. Ensuite, vous avez eu deux banques qui étaient des filiales de groupes coopératifs. Ça a été Natixis et CASA, la banque d'affaires, financement et d'investissement liée au Crédit Agricole. Natixis étant la filiale commune des banques populaires et des caisses d'épargne. Bon, c'est quand même terrible de penser que Société Générale, bon, alors Société Générale, ils ont eu d'autres problèmes, on l'a bien vu avec Jérôme K, mais que la BNP, qui depuis a eu d'autres problèmes aussi, mais je veux dire, au chaud moment, ils avaient fait plutôt moins de bêtises que les groupes coopératifs. C'est quand même un peu gênant. Ensuite, vous avez effectivement toute la grande distribution du commerce associé. C'est vrai que la différence entre un centre Leclerc et Carrefour, c'est que le centre Leclerc, c'est un rassemblement de patrons qui possèdent chacun leur centre, que donc il n'y a pas de comité central d'entreprise. C'est vrai que du coup, par certains côtés, c'est pas forcément plus mal de bosser chez Carrefour ou chez Auchan que de bosser chez Leclerc pour les salariés de ces sociétés. Quand vous dites ça à Michel Édouard, il n'est pas content du tout, il vous insulte même au téléphone, puis vous lui dites, mais vous savez ce qui s'est passé récemment au centre Leclerc de Granville avec le délégué syndical, etc. Et elle a dit, oui, c'est vrai, mais là c'est une brebis galeuse, etc. Je dis, oui, brebis galeuse, je peux vous donner un autre exemple. Et puis alors là, il finit par être poli et à se calmer et à vous dire, oui, vous savez, on a engagé un travail pour la moralisation de. Mais enfin, la réalité, c'est que dans les faits, c'est bien un collectif de patrons capitalistes qui se réunissent pour avoir une centrale d'achat.
Et ça a permis à des sociétés de contrebalancer le pouvoir des grands groupes capitalistes dans le domaine de la grande distribution. Mais bon, est-ce que ça change la société? Bon, moi, j'ai rien contre Leclerc, j'ai rien contre Système U. L'actuel patron de Système U est en plus un type très malin qui a su renouveler la communication en faisant pas uniquement le prix bas, mais aussi le produit de qualité et le soutien à l'emploi près de chez nous. Enfin, il a un discours très, très économie sociale et solidaire, adapté aux exigences de notre temps, etc. Bon, mais dans le même temps, bon, ça n'a pas empêché de se réunir avec la centrale d'achat d'Auchan pour peser plus sur le marché et pouvoir avoir des prix compétitifs par rapport à Carrefour et à Leclerc. Bon, on est dans la logique de la grande distribution telle qu'elle existe. Bon, vous en avez d'autres, Optique 2000, Best Western, tout ça, c'est des groupes qui sont des groupes coopératifs de commerçants. Et puis, ensuite, vous avez toute l'histoire de la coopération agricole. Alors, la coopération agricole, il faut pas du tout simplifier ou dire ça a joué un rôle extrêmement important dans la modernisation de l'agriculture française, qui de toute façon était nécessaire. On n'allait pas rester avec 36% d'agriculteurs dans la population active. Donc il fallait de toute façon que les structures changent de manière radicale. La coopération a joué un rôle important. Dans une région auquel certains d'entre vous aimeraient être intégrés, qu'on appelle la Bretagne, qui est pas très loin au nord, là. C'est vrai que la coopération a joué un rôle très important dans le maintien de l'emploi rural et dans la descente vers l'aval de beaucoup d'activités. Alors ensuite, on s'en plaint, parce que j'étais à midi au Conseil économique et social régional de Bretagne, où j'avais la copine d'Eau et Rivière de Bretagne, bon, elle trouve qu'il y a quand même un peu de nitrate dans sa flotte, mais en même temps, c'est aussi maintenu beaucoup d'emplois localement. C'est quelque chose de compliqué, je veux dire. Et puis, vous avez une grande diversité. Mais la vérité, c'est qu'une fois qu'on a admis que c'était compliqué, que ça a joué un rôle historique majeur, c'est qu'en même temps, aujourd'hui, c'est plutôt une force qui plaide plutôt dans une logique conservatrice par rapport à ce qu'on pourrait souhaiter comme évolution des modèles agricoles quand on a une pensée progressiste, un peu écolo et de soutenabilité à long terme de nos modèles productifs. Et donc, pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas forcément de bonnes raisons, parce que ce n'est pas seulement la défense des intérêts des agriculteurs, c'est aussi qu'une bonne partie des coopératives tirent leur activité de la vente de la pro, c'est-à-dire de la vente de produits phytosanitaires, etc., et n'ont pas un intérêt économique à maintenir des modèles, effectivement, qui sont des modèles qu'il faudrait faire évoluer aujourd'hui. Donc ça, c'est la banalisation. Et c'est vrai que c'est un problème, parce que ça concerne quand même un certain nombre de très gros bataillons dans l'économie sociale. Et puis, il y a le volet instrumentalisation, là, qui concerne plutôt le monde associatif. Et dans le monde associatif, c'est un risque réel. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une grosse association avec 1 000 salariés, 2 000 salariés, que cette association dépend fortement des deniers publics, eh ben, ce n'est pas toujours facile de maintenir son autonomie stratégique, parce qu'il faut payer les salaires à la fin du mois. Et donc, si le conseil général, ou si le ministre, ou si ceci vous dit ben, « vous allez faire cela », vous vous retrouvez un peu dans la position du sous-traitant qui n'a qu'un seul client. Et quand on est une petite entreprise, on connaît la règle, c'est que il vaut mieux avoir 5 clients à 20% qu'un client à 80% et un client à 20%, je veux dire. Et donc, là, vous êtes dans la situation du vendeur qui est face à un acheteur monopolistique, et évidemment, l'acheteur, c'est lui qui a le pouvoir. Et donc, du coup, il y a une critique qui est formulée à l'égard du milieu associatif, et notamment par un certain nombre de sociologues critiques à l'égard de cette notion de SS, c'est de dire, au fond, le SS se survend comme alternative, etc., alors qu'en grande partie, pour une grande partie de ses emplois, c'est quand même de la sous-traitance d'emplois publics à moins cher, où l'État externalise vers des structures l'emploi pour remplir des missions d'intérêt général, en se délaissant des responsabilités d'employeur, en sachant que s'il coupe les crédits, ce sera la structure de licenciés et qui ne sera pas emmerdé par le statut des fonctionnaires, etc. Donc, ce discours que je ne partage pas, moi, je pense que c'est beaucoup, ça peut être le cas dans certains cas, c'est pour ça que je parle d'instrumentalisation. En fait, en même temps, ce qui est génial dans le fait d'avoir des associations, c'est que c'est aussi des structures qui peuvent être à l'écoute des besoins des populations, qui peuvent avoir une autonomie stratégique, qui peuvent donc jouer à la fois un rôle d'exécuteur
de missions qui sont définies par, au nom de l'intérêt général, mais qu'elles ont contribué à co-construire dans le dialogue avec les pouvoirs publics, avec une capacité de revenir vers l'État et de dire aux technocrates, ben non, on pense que c'est plutôt comme ça qu'il faudrait faire, etc. Bon, alors, tout ça est compliqué. La logique qu'on a, notamment depuis la loi hôpital, machin, territoire, HSPT, bon, mais je sais jamais à quoi ça correspond, ce qui fait qu'on a de plus en plus d'appels d'offres et moins de subventions, fait que bien souvent les critères d'intervention des structures vont être définis par la puissance publique et qui met en concurrence différentes associations, ce qui tendant à diminuer l'autonomie stratégique des associations. Mais en pratique, quand une association a vraiment un conseil d'administration qui est capable de porter un vrai projet, elle peut aussi parfois influencer indirectement les conditions dans lesquelles l'appel d'offres est rédigé, de telle manière non pas qu'elle soit avantagée, mais que les critères qui sont définis dans l'appel d'offres font que la puissance publique demande à la structure qui répondra de mettre en avant un certain nombre de pratiques ou de critiques ou d'objectifs qui sont ceux que cette association a envie de porter. Si une autre association les porte mieux qu'elle, bah, que le meilleur gagne. Mais au moins, la parole, ce qu'elle cherche à mettre en avant, sera portée dans l'appel d'offres. Donc ça peut se faire. Et puis ça dépend effectivement de la portée des gens qui la dirigent. Et ce n'est pas une question de niveau de financement. Quand une structure comme la FNARS, qui gère des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, vous voyez, pour les personnes en grande difficulté, à sa présidence, des personnalités comme Louis Gallois aujourd'hui ou Nicole Maestrachi hier, bon, qui est devenue membre du Conseil constitutionnel. Mais quand vous voyez Nicole Maestrachi une fois pendant une minute, vous comprenez que c'est le genre qui peut aller voir le Premier ministre et lui dire, mais non, mais la politique que tu mènes, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faudrait faire, et il serait temps que ça change, etc. Et qui peut parler comme ça, avec beaucoup plus d'élégance et beaucoup plus poliment, parce que c'est quelqu'un de très bien élevé, mais c'est quand même ça que ça veut dire. Et elle est capable de porter ce discours, et elle sait que de toute façon, elle a une capacité d'intervention médiatique dans l'opinion qui fait que ça sera difficile de lui couper ses crédits, parce qu'elle remplit une vraie mission d'intérêt général. Donc, vous voyez, cette autonomie des structures associatives, elle n'est pas liée au fait qu'elles soient plus ou moins financées par l'État. Elle est liée d'abord à leur capacité à porter un projet, à avoir justement une démocratie vivante en leur sein, et ce n'est pas toujours le cas. Et c'est vrai que certaines associations sont même des faux-nés créés par des élus uniquement pour gérer telle ou telle structure qui leur permettent aussi de placer leurs copains, etc. Bon, parfois la Cour des comptes s'en occupe. On a un certain nombre d'agences comme ça en Île-de-France qui remplissent des rôles très utiles, mais qui sont de fait des sous-traitants intégrés du Conseil régional, qui ont été créés à l'initiative du Conseil régional sans créement d'autonomie de la société civile derrière. Donc là, on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas des manières de faire du fonctionnaire qui n'est pas du fonctionnaire. Ça ne veut pas dire qu'elles ne font pas des choses utiles. Je veux dire, je connais bien les agences comme Nature Paris, comme l'atelier qui soutient l'ESS en Île-de-France. Il y a des gens très bien qui font du bon boulot dans ces structures. Mais vous voyez, on est à la limite finalement d'un habillage autrement, d'un emploi qui est vraiment de l'emploi public. Alors, évidemment, les mêmes causes produisant les mêmes effets, à toutes les époques, on a aussi des gens qui créent des nouvelles structures, qui répondent de manière nouvelle aux besoins sociaux du moment. Et ça, c'est cette puissance d'innovation sociale qu'on a dans l'ESS. Nous, on s'est amusé à faire un hors-série là, qu'on vous propose également sur la fabrique de l'innovation sociale, où on a repéré cinquantaine d'associations qui ne sont pas les meilleures, mais qui nous paraissaient intéressantes parce qu'elles opèrent chacune dans des champs d'activités différents. Et donc, qui donnent un bon panorama de plein d'initiatives qui ont pu être prises en France au cours des dernières années et qui montrent qu'il y a plein de gens qui prennent des initiatives et qui créent des structures associatives, coopératives, pour inventer de nouvelles façons de se loger, de s'habiller, de se distraire, de se soigner, de prendre en charge des autres, de venir en aide à d'autres gens ou d'être dans les médias, de faire de l'information. Donc il y a plein d'initiatives de ce type, c'est souvent des micro-initiatives, mais en même temps, bien souvent, elles essaiment, elles influencent et elles finissent par être récupérées. Et là, on retombe dans le cas précédent, je ne vous refais pas toute l'histoire. Alors, c'est cette innovation sociale que porte, bien souvent, quand on en parle aujourd'hui, on la réduit à l'innovation dans le domaine du social, pour d'autres façons de traiter les questions sociales. Mais c'est l'innovation sociale au sens fort, au sens
où Karl Marx parlait de production sociale. C'est bien d'autres façons de produire tous les biens et services qu'on peut consommer d'une manière différente. Alors, quand on parle d'innovation aujourd'hui, bien souvent, il y a une autre interrogation qui est que on a pas mal mis l'accent, notamment ces dernières années, sur la promotion de cette nouvelle notion qui nous vient plutôt du monde anglo-saxon, qui est la notion d'entrepreneuriat social et qui se confond parfois un peu avec l'ESS. Donc, moi, j'ai rien contre la notion d'entrepreneuriat social. J'ai moi-même été dans le groupe qui a été à l'origine du mouvement des entrepreneurs sociaux en France. Mais ça peut être aussi, ça peut être la meilleure et la pire des choses. C'est la meilleure quand, effectivement, vous avez bien vu que j'ai rien contre l'esprit d'entreprise. Et j'ai tendance à penser, parce que c'est parfois le cas, que c'est pas parce qu'on gère une association, c'est pas parce que cette association mobilise de l'argent public. Et qu'on s'est donné de nobles missions d'intérêt général, qu'on ne doit pas être efficace. Et je dirais même que le fait qu'on utilise de l'argent public, dans un moment où cet argent public est rare, impose une exigence d'efficacité et d'exemplarité plus forte encore. Mais alors, la question, c'est comment on mesure votre efficacité? Si l'idée, c'est de dire, c'est un entrepreneur, c'est une entreprise, et la mesure de l'efficacité, c'est le profit qu'elle dégage, et sans regarder ce qu'elle produit et comment elle le produit, là, évidemment, on a tout faux. Mais si en revanche, on a défini des critères, des objectifs, que votre mission, vous êtes dans l'aide à domicile, bah, c'est quand même de concentrer ce que vous faites d'abord sur les personnes âgées, et les personnes âgées qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas. Bon, ben, si vous remplissez bien les missions qui sont les vôtres, ça aussi, ça peut s'évaluer, mais vous pouvez le faire de manière efficace et de manière telle que, de fait, vous dégagez les moyens qui vous permettent de le faire mieux avec dans un contexte de budget limité et de département qui vous sert un peu le kiki. Et donc c'est compliqué parce que évidemment jusqu'où on va dans la pressurisation des salariés, comment on rend des arbitrages, c'est des questions qui sont très complexes. Mais donc y a pas, je ne dis pas ces trucs tout simples. Je dis simplement que ce devoir d'efficacité, il est fort. Et l'ESS est souvent un milieu où on a très peur d'apparaître comme ambitieux, entrepreneur, de réussir. Bon, tout ça, c'est mal. C'est pas de gauche d'émerger au-dessus. Il faut qu'il n'y ait pas une seule tête qui dépasse. Bon. Et en même temps, c'est très faux-cul. Parce que s'il y a un monde où les gens aiment bien être président, et parfois président à vie, et avoir des trucs ici, etc., d'autant plus que comme ils n'ont pas beaucoup de pognon, enfin, sauf dans les grandes banques, évidemment, où là, ils peuvent gagner des millions, mais comme ils n'ont pas beaucoup de pognon, ils cherchent à avoir au moins du prestige, du pouvoir et de la reconnaissance, n'est-ce pas, Jean-Paul? C'est quand même ce qu'on cherchait, nous. Donc, ben, c'est vrai, déjà, on bosse 12 heures par jour, etc., on se crève le cul pour faire tourner notre structure. Bon, c'est légitime d'avoir envie d'avoir un peu de reconnaissance en contrepartie, d'être reconnu pour ce qu'on a fait. Donc, moi, je ne fais pas exception à la règle. Mais je dis, du coup, il faut l'assumer. Il ne faut pas dire, ah non, 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 moi, on est tous égaux. Hein. C'est quand même la ferme des animaux d'Orwell, on est tous égaux, mais il y en a quand même qui sont plus égaux que les autres. Alors. Donc, de ce point de vue-là, pas de problème avec l'entrepreneuriat social. Alors, là où ça devient un problème, l'entrepreneuriat social, et c'est là que ça devient la pire des choses, c'est quand ça s'accompagne d'un discours qui est qu'au fond, grâce à toutes ces entreprises sociales très dynamiques, on pourrait finalement ne pas s'emmerder avec toutes ces processions sociales qui nous coûtent très cher, et grâce aux initiatives qui naissent de la société, on pourrait faire beaucoup d'économies, et donc avec ces gens qui rendent des services à la community. Et donc, de fait, bon, ben, le problème, c'est que les Desperate Housewives, on voit bien qu'elles sont prêtes à apporter le TV dinner à la copine qui s'est cassée la jambe pendant 3 semaines, mais. Ça ne va pas au-delà du bout de la rue. Hein, et on reste entre personnes bien homogènes. Et si on veut avoir une vraie protection sociale qui profite à tous, ben c'est vrai qu'il faut quand même accepter d'avoir 32% de prélèvements obligatoires et que ça redistribue de manière importante à l'ensemble de la population. Donc, vous voyez, le côté Big Society de Cameron, je m'en méfie un peu. Je n'ai rien contre la mobilisation sociale, mais les exemples historiques, les exemples géographiques qu'on a quand on y réfléchit, font qu'on voit que les sociétés qui sont les plus mobilisées à la base sont très souvent les sociétés qui sont aussi les plus homogènes socialement, et une homogénéité sociale qui a été produite par des mécanismes de redistribution très importants à la fois
sur le mode de la réparation sociale, mais aussi de l'investissement social pour produire une éducation, des ressources culturelles qui font que les sociétés sont relativement homogènes. Et on voit bien, malgré leurs difficultés et le fait que leurs modèles sont eux-mêmes attaqués dans les sociétés nordiques. Alors, une fois qu'on a dit ça, j'en arrive à ce qui est vraiment important dans mon propos, qui est la question de... Non, non, vous n'allez pas vous en tirer avant. Il y en a encore pour un quart d'heure. Ça va pour l'instant, là. Vous n'avez pas trop soif. Bon, alors, donc, la question de la démocratie. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui me frappe dans l'ESS, c'est qu'on passe notre temps à se pavaner en disant « on est démocrate ». On est démocratique, une personne, une loi, une personne, une loi. Et il y a très peu de structures pour faire beaucoup de conférences. Je fais toujours la même. Les gens rient toujours au même moment. D'ailleurs, ça marche au poil. Bon, c'est la 50e fois que je fais cette conférence en France. Mais à chaque fois, les gens qui bossent dans des structures me disent « Ah ben, c'est vrai, on ne nous a jamais parlé de ça. » Et de quoi je vous parle? C'est quoi la démocratie? Et c'est quoi la démocratie dans la société tout entière? La démocratie dans la société tout entière, c'est d'abord qu'on a fini par comprendre que la société, ce n'est pas un grand 1. Et que c'est vrai qu'il faut que la volonté générale s'exprime, mais cette volonté générale, ben, on ne sait pas trop comment la construire. Alors, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un mauvais compromis, on a accepté l'idée qu'au fond... Il y avait peut-être différentes incarnations de cette volonté générale qui pouvaient se manifester, différentes visions de ce que pouvait être l'intérêt collectif, et qu'on a accepté l'idée qu'il y aurait une pluralité des partis. Le mot parti, c'est bien comme la partie d'un gâteau, c'est-à-dire c'est une partie de la société qui s'organise pour porter une vision, non pas de ses intérêts propres. Vous avez des partenaires sociaux, vous avez des associations pour ça, mais la vision propre qu'ils ont de l'intérêt général. Alors, vous pouvez avoir parfois des partis, sage-pêche, nature, tradition, bon, des conneries comme ça, mais vous êtes au Parti Socialiste, vous êtes à l'UMP, vous ne dites pas « je défends les intérêts des notaires » ou « je défends les intérêts des profs du PS ». Non, « je défends les intérêts de la nation ». Bon, alors peut-être que soutenir les notaires, ça correspond aux intérêts de la nation. Mais je veux dire, la question n'est pas là, je veux dire. C'est d'abord une vision de l'intérêt général. Et ensuite, on vote, il y en a qui gagnent, et si ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui étaient les sortants, eh bien, chose inouïe dans l'histoire humaine, qui n'existe que depuis en gros 215 ans, quand Washington a été battu aux élections américaines et qu'il est parti, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il se fasse sacrer roi des États-Unis, et qu'il est retourné en Virginie cultiver ses champs. Bon, avec des esclaves, personne ne peut être parfait. Bon, mais enfin bon, voilà. Et Washington est parti. Mais comme en France, quand Sarkozy, en 2012, a compté les voix à 5 heures, il a vu qu'Hollande avait gagné, ben, il lui téléphone, il lui dit, bon, ben, malgré toute la violence de la politique, les sales coups qui se font, tout ce qu'ils peuvent faire pour se démolir les uns les autres, il dit, bon, ben, t'as gagné, je t'envoie la sécurité présidentielle, maintenant c'est toi le président, et puis voilà, et puis il s'en va. Non, mais il faut bien que vous réalisiez, parce que dans l'histoire de l'humanité, pendant des siècles, la seule façon de remplacer, c'était de le tuer. Ou alors, on disait que c'était le fils du précédent pour éviter que les gens s'entretuent. Quand même un système stupide. Pourquoi le fils du précédent serait aussi malin que... Bon, il n'y a rien de plus con. On voit bien ce que ça donne au bout d'un certain temps. Comme disait Prévert, ils ne sont même pas capables de compter jusqu'à 20. Donc, la démocratie, c'est ça, c'est d'abord l'alternance. Or, chez nous, la démocratie, ce n'est pas du tout ça. La démocratie, elle a d'abord pour but de rendre l'alternance impossible. Quand j'ai eu envie de céder, je me suis dit, tu commences à vieillir, il est temps de préparer ta succession. Ce qu'on peut réussir de mieux dans une SCOP, c'est d'abord d'être capable d'assurer la continuité du projet, de l'histoire de l'entreprise en la cédant à d'autres. C'est tout ça, la philosophie de la coopération. Bon, les gens, d'abord, ils attendaient que je leur suggère un nom. Puis quand je l'ai trouvé, bon, depuis, il est reparti, on a dû trouver, c'était la merde. Bon, mais quand j'ai trouvé un nom, les gens m'ont dit, mais il est bien celui-là, t'es sûr que sur
Nos positions sur tel truc, il va bien être dans la ligne du... Bon. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils ne se bossent pas depuis 30 ans à Alternatives économiques pour que ça devienne ensuite le supplément mensuel économique du Figaro Magazine. C'est clair. Ils ont envie que ce soit dans la continuité. Donc, notre démocratie est d'abord une démocratie qui a pour but de rendre impossible l'alternance et au contraire de faire que nos structures restent fidèles à leur valeur. Bon. Jean-Paul Raillard, là, qui a été président de Syndex, une structure de soutien au comité d'entreprise, dont mon petit doigt m'a dit qu'elle a eu parfois des liens avec la CFDT, je ne me trompe pas. Et assez brusquement, quand il était parti, Syndex avait dit: Ah ben non, maintenant la CFDT, ils nous font chier, on va travailler uniquement avec EFO. Je pense que ça aurait posé un petit problème. Je veux dire, voilà. Bon, ben nous, c'est pareil. Et dans toutes les structures de l'ESS, c'est pareil. Et donc, le résultat, c'est qu'on a une démocratie qui est une démocratie qui ressemble beaucoup plus à la démocratie qu'on avait au Parti communiste de l'Union soviétique, ou dans l'Église catholique, apostolique et romaine, où le pape nomme les cardinaux élisent le pape. Parce que le but, c'est d'abord d'assurer la fidélité au système. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la cooptation, on a des listes uniques, vous êtes déjà allé dans une assemblée d'association, qui vote contre, qui s'abstient. Unanimité. Hop, bon, c'est plié. Bon, vous voyez. Donc, si, imaginez que Sarkozy arrive et dise à la télé, qui vote contre? Bon, attendez, on serait 10 millions dans la rue. Voilà. Et on accepte ça, logiquement, dans l'association. Pourquoi? Parce qu'on est venu là, parce qu'on partageait un projet commun et qu'on attend que ce projet se continue. Bon, ok. Mais le problème, c'est que précisément, cette différence... Il y a très peu de gens qui l'ont réfléchi. Et du coup, ils ont un peu honte de ces pratiques démocratiques finalement assez totalitaires, de la liste unique, de autant de candidats que de postes à pourvoir, etc. Donc on a un peu honte et on fait ça un peu en cachette. On n'est pas capable de vraiment débattre entre nous de qui va être sur la liste. Est-ce qu'il y a la parité? Est-ce que les différents établissements sont représentés? Est-ce que bon, les gens du SR, ils avaient personne au dernier CA, ce serait quand même bien qu'ils aient au moins une personne qui aurait envie d'y aller. Et toi, tu es prêt à céder ta place pour céder la place. Bon, il y a un gros travail à faire en amont si on veut que ça marche bien. Et puis ensuite, une entreprise, même si elle veut être fidèle à ses valeurs, pour être fidèle à ses valeurs, ça suppose bien souvent d'évoluer, parce que le monde change. Il ne s'agit pas d'être fossilisé. Et donc, pour évoluer, pour adapter ses valeurs aux exigences de notre temps, eh bien, ça suppose aussi qu'il y a des lieux de débat, des lieux où le dissensus puisse s'exprimer, où il y a des vraies discussions sur la stratégie. Donc, ça suppose de trouver des espaces de débat ou du pluralisme, de la discussion, sans que ce soit pour autant la transition. Et puis, il faut qu'il y ait aussi des lieux de régulation des querelles de personnes, parce qu'il y a des ambitions, c'est pas illégitime, il y a des égos, etc. Et il faut les traiter d'une manière autre que uniquement s'étrangler dans les couloirs en cachette, je veux dire. Donc, toutes ces questions sont bien souvent peu posées dans nos structures, et du coup, ça traduit des effets pervers qui sont les présidences à vie de vieux associatifs qui disent les jeunes ne veulent pas s'engager. Puis quand il y en a un qui arrive, il a 30 ans de période d'essai avant d'avoir un strapontin, alors évidemment, il part au bout d'une dizaine d'années ou même de 6 mois, il part parce qu'il a compris que le plafond de verre, voilà, il est épais comme ça. Vous avez toutes les structures où, justement, parce que le président, il songe qu'aux oripeaux du pouvoir, ben, il laisse les coudées franches à un manager salarié qui, lui, a son propre objectif et qui rêve plutôt de transformer ça en une boîte capitaliste standard. Bon, c'est ce qu'on a vu dans les banques. Bon. Et donc, vous avez plein d'effets pervers. Donc, c'est très important que l'ESS soit consciente de ses limites. Et puis, il y a un autre problème. C'est qu'on dit une personne, une voix. Mais. Bon, il y a 9 mois, je suis passé à l'excellente émission de Guillaume Erner à France Inter. Il faisait une semaine sur l'emploi, vous voyez, de 10 à 11, là, bon, service public. Et bon, la personne qui travaille avec Guillaume Erner m'appelle 15 jours avant en me disant: Ah, on va faire une semaine sur l'emploi. Alors, l'emploi dans l'ESS, c'est très dynamique. On aimerait bien qu'il y ait une journée sur l'ESS. On nous a dit que vous pouviez nous en parler. Est-ce que vous pouvez venir? Ben, évidemment, un peu de pub pour Alter Echo à France Inter.
pas de pain. Puis je m'intéresse, oui, bien entendu, etc. Alors je lui dis, vous savez un peu ce que c'est? Ah, oh, ben oui, je sais, le SS, c'est formidable, c'est ces entreprises où les salariés ont le pouvoir. Je lui dis, attends, on se calme, on se calme. 21 000 associés dans les SCOP, 2 300 000 emplois, et vous en avez juste 2 269 000, enfin, de, non, 79 000, où ce n'est pas les salariés qui ont le pouvoir. Elle me dit, ben, c'est qui? Ah ben, je dis, ben, c'est les bénévoles dans les associations. Et dans les grandes associations, bien souvent, dans l'action sociale, ben, en fait, il y a 15 membres. C'est les 15 types qui sont au conseil d'administration. Alors, il y a deux préfets, deux anciens préfets, trois anciens juges, quelques hommes ou dames patronesses, hein, pour ne pas être sexiste. Et bon, convoque le directeur. Alors, rendez-nous compte de votre activité. Et puis, bon, ben, alors c'est pas mal d'avoir un ancien préfet. Si la subvention du conseil général n'arrive pas, ben, un ancien préfet, ça téléphone au nouveau préfet et se lui dit, monsieur le préfet, vous ne pourriez pas faire... Bon, voilà. Mais en même temps, les salariés, ben, bien souvent, ils n'ont absolument pas voix au chapitre. Or, ces salariés, ce n'est pas seulement des salariés qui peuvent être emmerdants, qui peuvent être syndicalistes. Ils sont parfois emmerdants, surtout dans l'action sociale. Ils se la jouent, on fait la révolution alors qu'ils sont dans le social. Bon, ça va. Mais... dans le même temps, c'est quand même des professionnels. C'est des professionnels de leur boulot. Ils ont quelque chose à dire. Ils auraient des expériences à remonter. Ils auraient des choses à apporter au conseil d'administration que ce conseil d'administration pourrait utiliser pour dialoguer précisément avec le conseil général sur les missions qui devraient lui être données, sur la façon de les remplir, sur ce qu'il faudrait faire en plus, peut-être faire en moins. Bon, voilà. Et on se prive de cette expérience, parce que on est dans une logique où il y a une seule partie prenante qui est représentée, en l'occurrence, les bénévoles. Bon, dans les compagnies d'assurance, ça va être les sociétaires. Bon, et en fait, vous voyez, il n'y a que dans les SCOP que ce sont les salariés qui sont représentés. Alors, il y a des assos, c'est un débat qui monte, notamment parce qu'on est un certain nombre, je suis loin d'être seul, on est un certain nombre à pousser en sens. Il y a un débat qui monte pour que les différentes parties prenantes soient représentées. Mais il y a une sorte de paradoxe, vous voyez, qui est qu'au moment où les boîtes capitalistes qui ont besoin de se refaire une virginité ont finalement accepté avec la loi Gallois que dans les très grandes entreprises, il y ait un ou deux salariés à leur conseil d'administration, qu'elles ne parlent que de RSE, alors c'est souvent du pipeau et du social ou du greenwashing, etc. Mais en même temps, il y a ce débat dans les entreprises. Vous avez des colloques qui se réunissent, des très bons bouquins qui sont publiés sur ce sujet par des gens de l'École des mines. Mais dans le même temps, dans l'économie sociale et solidaire, nous qui sommes les démocrates et tout, on serait un peu en retard parfois d'un wagon sur ce train, alors que... au contraire, un des intérêts pour avoir l'ESS, c'est d'être particulièrement exemplaire dans ces domaines, et parce qu'elle serait exemplaire dans ces domaines, de pouvoir faire figure d'exemple pour essaimer et pour dire aux autres, voyez, ça marche, on y arrive, ça marche bien, on a des pratiques de management modernes, efficaces, etc. Pourquoi vous ne faites pas comme nous? Donc on a beaucoup à progresser dans ce domaine, et c'est vrai que on a beaucoup à progresser et à assumer aussi nos difficultés, parce que comme on est sur des secteurs bien souvent qui sont des secteurs avec peu de moyens, notamment dans tout le secteur associatif. Les conditions de travail et les conditions d'emploi dans l'ESS ne sont pas spécialement enviables. C'est-à-dire statistiquement, par exemple, il y a plus de précarité dans l'ESS que dans le reste de l'emploi, que dans le secteur marchand, capitaliste. Mais pas parce que l'ESS est méchante, parce qu'elle opère dans des secteurs où bien souvent les moyens sont limités. Et que, si vous êtes... trader à la banque populaire, vous aurez un revenu de trader. Si vous êtes salarié à temps partiel dans une petite association et qu'il reste des trucs à mettre dans l'enveloppe le vendredi, le bénévole qui va être avec vous va dire « Tu pourrais pas rester encore une demi-heure, ça serait sympa, faut absolument que ce courrier il parte avant ce soir, sinon on va louper notre machin, etc. » Puis vous restez une demi-heure, et puis la demi-heure, elle n'est pas payée. Alors, parfois, le bénévole, il est sympa, il dit « Bah, ça sera pas la peine d'arriver à 9h lundi. » Mais parfois, il pense pas à le dire, parce que lui, il est bénévole. Alors pourquoi le salarié ne serait pas bénévole un peu aussi? Bon, vous voyez, donc on a ce type de problème. Mais
Vous pouvez avoir la même chose dans la petite PME du coin qui tire le diable par la queue, qui a du mal sur sa position et qui dit aussi à son salarié, avec un patron de PME qui ne gagne pas 1 million d'euros par mois non plus, tu pourrais pas rester un petit coup de main pour finir cette pièce parce que on a un gros donneur d'ordre et si on finit pas la commande dans les délais, on risque de perdre ce contrat et on sera un peu dans la merde, toi et moi. Je veux dire, et donc le salarié, il reste aussi et on ne lui paye pas toujours son heure sup. Bon, vous voyez, donc. Ce que je dis simplement, c'est qu'il n'y a pas une spécificité de l'emploi et des conditions de travail et des relations de travail très fortes liées au statut, et qu'il y a plutôt une surdétermination qui est liée à la nature de l'activité et aux conditions dans lesquelles cette activité est remplie. Alors, un mot pour terminer, qui est que le succès très grand qu'a eu dans la sphère médiatique et politique l'ESS ces dernières années est d'abord lié à, non pas à ce qu'elle fait, parce que ça, elle le fait depuis très longtemps, mais à la promesse qu'elle porte, je veux dire. Cette promesse d'une économie au service des personnes, liée au territoire, soutenable, inclusive. Bon, dans un temps où on a l'impression d'être devenu un peu impuissant à maîtriser la chose économique, on comprend que les politiques se soient jetées là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on peut vendre, mais le risque, c'est de le survendre. C'est d'aller au-delà de ce que peut réellement réaliser l'ESS. Et donc, à la survendre, on risque plutôt de provoquer des déceptions. Alors, je pense qu'il y a un gros potentiel. Moi, je fais partie des gens qui cherchent plutôt à la soutenir, à porter son développement, à la rendre plus conforme à la promesse qu'elle porte, notamment dans ses modes de gestion et de gouvernance. Mais il ne faut pas survendre simplement ce que c'est, et il ne faut pas perdre de vue qu'on est sur un secteur extrêmement hétérogène et que ceux qui sont dans ce secteur, pour une grande partie d'entre eux, ne portent pas forcément de manière militante la vision d'une ESS active et transformatrice de notre société. Une grande partie d'entre eux sont d'abord les gestionnaires de choses dont ils ont hérité, qui continuent à faire vivre et qui leur permettent de gagner leur vie, de remplir des missions, mais sans avoir l'impression d'être dans une vraie transmission, une vraie action de transformation sociale. Donc, c'est très bien, mais voilà, on se calme, ne survendons pas la chose, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions après que le bar ait été ouvert puis fermé. Voilà. Donc, rapidement.